Ah 106, 106, viens, 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 je t'ai dit un truc. Oui. C'est bon. C'est tout bon. Ouais, je vais dire c'est bon. 106, t'as glissé ou quoi? De quoi j'ai glissé? Ça va? On nous a volé nos queues. Ah non, je crois que t'as un peu de ketchup là. On nous a volé nos queues d'hélico. T'as que t'as la queue de l'hélico, on vous l'a volé? On fait tous les deux, tu vas dans le garage et il y a plus. Échauffement de la voix. Attends, parce qu'on vient de me dire que j'ai peu de rythme, on sait même pas si c'est pas un champion. T'as les pires rythmes, eh, c'est vrai, t'es quatre vérités en tête. Ok, écoute, essaie de te concentrer, d'accord, et tu gardes juste ton rythme, ok ou pas? Allez, concentre-toi, appuie-toi. Et ils sont où? Et ils sont où? Et ils sont où les balades? La 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 la. C'était bien ou pas? Franchement, c'était bien. C'était bien, c'était bien. En fait, c'est la monsieur. Attends, 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 je t'ai l'actif. Et t'as dit quoi là? Ils sont où quoi? Ah, vraiment, de là, qu'est-ce que tu fais Sam? Eh ben, ah, ben ça sera noté, ça sera dit au sergent 22 ça. Eh vas-y, eh. Ah, qu'est-ce que tu fais dehors? Vas-y, reprends dans ta caisse. Eh, ça sera ça dit au sergent 22 mais ça. Putain, mais va dans ta caisse, connard. Madame 2. Madame 1, on est prêt. Ah, je parle radio, hein. C'est reçu, Madame 2. T'as parlé radio? Oui, je te laisse parler. Il m'a toujours pas demandé. Madame 2 prête. Ils sont prêts, ils sont prêts. C'est reçu, Adam 3. Adam 3, affirmatif, nous sommes prêts à démarrer. Adam 4. T'es sûr qu'on a Adam 3? Adam 4 prêt. Ouais ouais sûr. Adam 3, y'a un mec qui a déjà Adam 3 prêt. Prête. Oui. Adam 6. Non non c'était la Adam 2 juste avant je crois. Non y'a la Adam 3 c'est sûr. Je crois c'est Adam 6 que vous êtes prête. Ah si y'a 3 ouais. Prêt. Enfin j'espère hein, mon sens parce qu'on est prêt. Reçu Adam 7. Ready. Adam 8. Prêt. Get Adam ready. 9. Ready. Get ready for the next one. Est-ce que l'ASD vous êtes prêt? Affirmatif. Are you ready? GND 1. Eh, selon toi, c'est qui la plus jolie du LSPD? La plus jolie du LSPD? Eh oh! La plus jolie du LSPD? GND 3. Bah écoute. GND 3, est-ce que vous êtes prêts? 88, 128. Gomez. GND 4. Clark. GND 5. Et pour toi? Moi, pour moi, là, c'est la capitaine la plus jolie. GND 6. Ouais, parce que tu fais capitaine, je sais pas, j'ai l'impression de la glow up. Je rappelle le GND 1, ce que vous êtes prêts. Je crois que j'avais fait chaud la capitaine, je crois. Ah bah attends, je l'appelle, je lui demande. Ah ouais, non, non, non. Arrête, arrête, arrête. Vous m'entendez, radio? Arrête, 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 arrête. On est en OP, arrête, sérieux. Du professionnalisme un peu, sérieux. Non, non, je vous appelle pas pour l'OP. Écoutez, j'ai 54 avec moi, là, il dit que vous êtes très charmante, il aimerait vous poser de boire un verre ce soir. Ah, ok. Coup de 70, ouais, ce ASD, ouais, vous pouvez décoller et départ du convoi. C'est cuit mon sous. Ouais, c'est. Les carottes sont cuites? Elle est pour moi. Ok, on décolle. Go, 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 sur un 3. On décolle. Ok, on décolle, copie. Allez, c'est parti, let's go. Je sais qu'il y en a ouais, beaucoup d'entre vous qui ont all in. Toi, 28 et tout. Mais vas-y, elle, sait même pas... elle connaît même pas ton prénom, je suis sûr, la capitaine. Moi, elle connaît par cœur. Elle connaît mon matricule, elle connaît mes préférences, elle connaît mon origine. Elle connaît mon. En fait, la capitaine de base, quoi, quand je suis arrivé au LSPD, c'est la première qui s'occupait de moi. Eh, salut, c'est la Guardia. Oui. Je te jure qu'elle connaît mon prénom. Qu'est-ce qu'il y a, Trudolf? Trudolf? Gondolf. T'es où là? T'es con ou quoi? Ouais, mais t'es dans quelle voiture? Ah, bah, je suis en opération là, je suis dans un A3 là. Bah, vas-y, vas-y, viens, on essaie de se faire coucou là. Ah, non, ouais, opération, espèce ouais. D'enculé, va. Bah. Ok, du professionnalisme. Le ASD est très fort présent sur le quartier actuellement. 7 véhicules sur le milieu ainsi que 3 véhicules dans le fond de la maquette. Let's go! Let's go! Ils sont massifs! Ils sont massifs! Les individus se trouvent dans le périmètre. Notre premier objectif, ça va être de les faire quitter la zone. Et ils sont où? Et ils sont mal. Rassemblement environ 10 personnes sur le périmètre. Ok, 10 personnes, 10 personnes. Allez, allez, tu sais où te mettre ou pas? J'ai reçu. Bah ouais, je sais. Ok, vas-y. Essaye de t'approcher quand même un peu du, tu vois, de là où ça va, tu connais quoi. Oui, donc effectivement sur le point stratégique on a énormément de véhicules et d'individus. On va essayer de les faire circuler. Oh le FC Malheur dans... Après on va être obligé de s'aligner avec les deux devant là de toute façon. Là... Sauce. Oh le cap, j'ai trop du mal à intervenir. What the fuck. J'espère que t'es un bon pare-balles. Oh là mon... Ah mais là y'a une armée là, c'est pas... On est oh, ça s'annonce masterclass. Un individu qui court sur nous avec une batte. Ça s'annonce vraiment intéressant. Pour rappel, concernant les raids d'engagement, messieurs, si c'est du non-létal, vous réagissez à la matraque et au taser. Mais le monde n'oubliez pas de pas vos véhicules si vous devez sortir.
Approximativement 17 individus sur place. C'est capté de 22 pour l'unité à l'avant. Faites-moi un topo sur ce qui se passe. C'est magnifique les gars ce qui se passe là. On a du coup, comme dit la SD, 17 individus, énormément de véhicules. On se croirait que j'étais en GTA. En fait, l'effet de groupe, c'est ça qui est carré. On avance tous en même temps parce que là, ça va pas être possible. Prenez la route à gauche. Prends gauche, mets-toi devant. Affirmatif, les unités, vous allez les encercler et vous leur faire quitter la zone. Ah là, prends à gauche. Allez, suis-les. Allez, à droite. Ah, du coup, pour toutes les unités la voiture qui du sergent. Un peu avant au niveau de la raquette, là, pour le barrage, vous contournez par Carson Avenue, vous prenez à droite. Vas-y, suis la voiture du sergent. On va les contourner, on va les entourer. Voilà, parfait. Parfait, allez, mets-toi. Bloc, comme le sergent. Go, bloc. Pas rester comme ça en face avec des véhicules. On est en zone dangereuse. Absolument pas là, je dois me mettre moi mon T'inquiète. Stationnez vos véhicules légèrement à l'écart et on va tous descendre et avancer pour les faire reculer. Eh l'SPD, c'est une descente, monsieur, restez calme. S'il vous plaît, monsieur, restez en code 2 là. Monsieur LSPD, restez calme, restez groupé. Dispersion. Jackson. J'ai dû rester en groupe dispersion. Oh, restez groupé. Viens, reculez, venez avec, on va descendre. Vous êtes c'est pour la GMD là, venez au niveau du speedo okay, ici, s'il vous plaît. Reste là, on doit aider le coup. Ah, vas-y. Il y a une perquisition, d'accord, qui sort que c'est dans une banque compartée, concernant une enquête de police. Donc écoute, moi ce que je veux, c'est que ça se passe correctement, d'accord. Je veux pas qu'il te batte sans, je veux que ça se passe proprement et sans accro. Donc, attends, moi, tout ce que je te demande. Tu parles de quoi là, d'une perquis là? Exactement. Pourquoi une perquis là? C'est quoi ton délire? Ah, c'est concernant une enquête de police et. C'est concernant une enquête de police, du coup, c'est une petite opération. Ça va durer 20 minutes maximum, 10 minutes. Ah, de toute façon, t'es pas content, faire, c'est la même, bref. D'accord, moi ce que je veux, c'est que tu déplaces tes gars. Ah, mais c'est pas les deux frères. Oh, je m'en rappelle. Ça marche? Est-ce qu'on peut faire ça, Sidio? Écoute, moi je veux pas que ça parte en couille. Tu me rappelles de la V2, j'étais contre eux. C'est quoi, c'est où la perquis là? C'est pas sous là? Ça, c'est pas le dire pour l'instant. Je peux pas te le dire pour l'instant, mais c'est toi propriétaire ou pas? Bah écoute, ça, justement, je sais pas de quoi tu me parles, donc dis-moi où c'est. Tu dis, mais oui, je les connais. Ça, je peux pas. Quand j'avais Ruben Taylor, ils étaient déjà là eux. Pour l'instant, moi tout ce que je te veux, c'est que. Avec Marcus aussi. T'es petit, qui sont en train de gêner au niveau de Grove là, qui empêche mes unités d'avancer. Tu les déplaces sur le trottoir pour que mes unités puissent faire leur travail. Et voilà, on règle ça pacifiquement. Parce que là, je t'explique, si ça bouge pas, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que mes gars, ils vont devoir descendre. Ils vont devoir les bouger de force, tu comprends? On n'a pas envie que ça se passe comme ça. En plein barbe. Je comprends, mais... Non, coopère pas, mon rap, s'il te plaît. Non, coopère pas. Soyez vigilants à droite, derrière les maisons. Il y a un chemin, ils peuvent se passer. Moi, j'aimerais bien savoir quelle maison tu parles avant tout. Avant de déplacer tous mes négros, là. Bouge pas, d'accord. Concerne pas le Noir. Bah allez frère, coopère pas, ouais, je venais, on se la donne. Restez au taser, monsieur, s'il vous plaît. Affirmatif. Oh, frère, c'est quoi le délire, je comprends rien. Affirmatif, tu me sens. Calmez-vous, monsieur, on est là pour faire uniquement notre travail. 123, je suis en train de discuter avec le Roger. Plus vous serez coopératif, plus ça sera rapide, messieurs. Le dialogue est l'essence même du dialogue. La meilleure des armes, messieurs, c'est le dialogue. Diagolon. Merci. C'est mort là, casser les couilles là. Ok, écoute, le propriétaire, c'est un certain Tyrone Lawson. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, ça dit quelque chose. Il est là actuellement ou pas? Non, malheureusement il est pas là, bordel. Ok, il est pas là. Donc écoute, tu sais quoi, ce qui va se passer, c'est que là, légalement, c'est le propriétaire qui doit escorter la police dans le lieu de perquisition, d'accord? Comment, mais Holster? Et du coup, il est pas là. Mais ce qui va se passer, c'est que si c'est toi en fait qui va venir, d'accord? Vu que t'as l'air d'être. Plutôt imposant ici, d'accord? Donc tu vas prendre sa place et on va t'emmener, d'accord? On va t'emmener jusqu'à l'autre de perquisition. Non, il y aura pas de ça, c'est lui qui va prendre. Écoute, il y a pas de ça. Mais le petit rechargement du taser. Ce qu'il a à prendre si on trouve des trucs dedans, d'accord? Mais toi, ils sont trop drôles à parler comme ça, frère. Comment on fait une discussion là? Moi je t'emmène jusqu'au lieu de perquisition, tu vas venir avec nous, etc. On va te montrer tranquillement ce qu'on doit prendre. C'est mort, y'a personne qui rentre dans une maison avancée. Y'a rien, vous vous trompez là, c'est mort, c'est impossible. Faites terreur. D'accord. Terreur. Du coup là ce que tu veux c'est quoi, Sidi? C'est que tu repars tranquille comme t'es arrivé.
Je m'y vais à mon quartier là, tranquille. Écartez-vous, écartez-vous. Ok, de 22 pour toute la okay, communauté, négociation infructueuse avec leur OG, ils refusent de déplacer ses collègues qui gênent la raquette. Donc les instructions, bien sûr, ça va être pour les suivantes, d'accord. Vous allez former un barrage avec vos véhicules, vous allez descendre à pied, et vous allez devoir forcer le barrage, c'est ce que vous avez capté. Ça va. C'est capté. Pour rappel, messieurs, une dernière fois, vous répliquez à la non-létal, d'accord, au taser et à la matraque. De la 8 et la 7 pour 22. Ouais, je sais pas, c'est où mon mate? On est dans la ruelle à l'arrière, du coup, mais on fait quoi? Oula. Va avoir besoin de renfort, s'il vous plaît, côté. Mais il est pas sous mon mate, frère. Donc vous avez commencé à avancer. Avec côté nord, on avance. Maintenant, avancez. On fait quoi avec eux? Voilà, dingue. Allez, c'est du bouge, les gars. Oh le bordel, frère. Attention au crossfire avec les tasers et les beanbags, là. Attends, mais c'est passé quoi là? J'ai rien capté. À toutes les unités, vous interpellez les individus, vous les menotez, vous les prenez dans des coins et vous les mettez contre les murs. Sur la route, les gars, restez pas sur la route. Les PNJ sont tout niqués. De 22 pour les unités là, vous bougez, il y a des corps qui sont au sol, ils sont en train de se faire écraser, vous les bougez de là. Je vais placer les corps au sol là. Oh les PNJ, ils ont tué personne qui pointe. Faut pas pointer les citoyens. C'est un ouf, frère. C'est un ouf, le frère. Voilà dinguerie, frère. C'est bon, je les note. Non, c'est une catastrophe. Affirmatif, on commence. La scène avait tout pour être parfaite. C'est un code qu'on sort des shots ailleurs. 10-52, on a énormément de blessés ici. Affirmatif, unité contre 10-52 maintenant. S'il vous plaît. De 22 pour la GND et Canine et TRT, vous pouvez commencer à travailler s'il vous plaît. Commencez à faire ce que vous allez faire. Transmettez 30-30. Putain, je pensais jamais dire ça un jour, mais franchement, fait que les PNJ là pour le coup. Les unités là, juste au niveau de tous les blessés, histoire de les prendre en charge pour pas qu'ils s'en aillent s'il vous plaît. C'est capté, c'est au niveau de ce 10-35 s'il vous plaît, on a besoin d'un maximum d'unités pour prendre en charge les blessés. Les unités classiques GND, Canine, vous restez au niveau de partition. On a besoin des unités dans monsieur, ça va aller, vous m'entendez? Monsieur, restez avec moi. Les médecins étaient pas loin, ils vont arriver. L'équipe médicale va arriver. TRT, vous pouvez vous rapprocher du lieu de perquisition. Monsieur, restez. Là, c'est votre véhicule. Tire dessus. Les menottes pas. Ça va aller. On va enlever les menottes, monsieur. Restez au sol, on vous enlève les menottes. Écoute, Stancé, écoute. Reste tranquille, d'accord? Assis-toi. C'est bon, reste au sol, j'enlève les menottes. Une opération, d'accord, on va faire ça rapidement. Juste coopérer avec nous, ça se passera bien, ok? Qu'est-ce que vous voulez, vous dépouler comme ça? Putain, c'est chez nous là, putain, c'est chez vous, putain de merde. Écoutez, je comprends, c'est chez vous que vous soyez un peu énervé, malheureusement, on doit faire notre travail. Ça vaut le coup de vous taser tous comme ça en fait. Hop là, messieurs, on va vous demander juste de vous mettre contre le mur, s'il vous plaît, de rester sage et on va faire notre travail simplement. Vas-y, lâchez-moi, s'il vous plaît. Messieurs, lâchez-moi. Lâchez mon Kevlar, lâchez mes amis. Allez, dispersion. Deux minutes. Ah si je peux apprendre. Ouais, ça va. Vas-y, vous bougez les collègues. Oh des gigas coups de matraque. Oh le premier qui passait. Ça va, je me relève, ça va. Bridge. Allez, viens Anderson, venez. Oh, j'ai mis des coups de matraque à tout le monde là. Devant, pour les unités au sud, on a un individu qui vient de se faire. Ça va aller ou pas, messieurs? Ça va aller. Il va arriver là derrière la buffaloise. Ça me rappelle quoi ce genre de scène? Ça me rappelle la V3 mais version XL, tu vois. De 92, j'ai le médecin avec moi. Ouais, ça va, je vais me poser sur leur canapé là pour niveau des blessés. Recule. Le dernier 65 a été fait. Ah, j'ai le fauteuil là. Ah, ouais, c'est un fauteuil.
Ça va? Ils m'ont mis dans un coin et ils m'ont tabassé à plusieurs. Ah ouais, ouais, ouais. Kyle, il m'a mis un coup de matraque dans le nez. Ah, il m'a mis un KO. Oh, désolé. Levez votre cul tout de suite. Allez, hein. Oh, ok. Allez, ah, mais je vais prenez votre matraque et contenez la foule. Ok. Mais c'est fait plaisir. Juste venez qu'il pisse, sergent. T'es pas chez ta mère ici. Ok, ok. Wow, 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 calm down, calm down. Sergent, juste venez qu'il pisse le sang, mais c'est pas grave. Je continue. Ok, merci. C'est un bonhomme, Anderson. Ouais, je suis un bonhomme. Voilà. Mets-toi un mouchoir dans le lit, mets-toi un mouchoir dans le lit, ça va faire la merci, fin. Merci. T'as un mouchoir ? Ah, ça va, mon souffle. Ça va, désolé, du coup, pour. Tu m'as mis un coup de matraque dans le. Ouais, dis-toi, moi, il m'a couché. Hein. Ouais, il m'a couché. T'as mis un coup de matraque dans le cou. Attends, mais toi, tu sais viser ou pas, Kyle ? Je pense que je nous a tous touché, moi et Sam, t'es des individus. Je t'avoue un truc, j'ai mis un coup de matraque dans le crâne du sergent 22, je l'ai assommé. Écoute, de 22 là, on a pas de médecin, visiblement, du coup, vous unités, vous êtes devoir effectuer des premiers secours sur les balas qui saignent. Affirmatif, c'est bien pris en sorte. Négatif, il y a un doc, négatif, il y a un doc. De ST, code Los Santos. Ok, percussion. Le 27, pour les légéristes, s'il vous plaît, je vais vous laisser ramener les transporteurs à proximité du point de. Une perquisition, s'il vous plaît. Ah, parfait. T'es blessé, toi? Ouais, je me suis pris un petit coup là. En gros, ils m'ont isolé, ils m'ont éclaté le nez. Ah, moi, ouais, ils m'ont éclaté le nez. Ah, putain, attends, on va aller délai pour les transporteurs. Les sauter TRT en attente de la deuxième perquisition. L'OP, enfin, la perquise, elle est où du coup? Elle est là à gauche. On va ramener les transporteurs. Allez, Speedy, move. Move. De 22, où est-ce qu'il est le doc, s'il vous plaît? Tout près des transporteurs. Mettez-le à ma gauche, à ma gauche. C'est bien pris. Là, ici. Ici. Viens, ramène-le ici. Oui. Oh, il est con. Ouais, viens, mets-le, garde-le ici, ici. Et ce TTRT, Breach. Nice, parfait. Ok, nice, parfait. Merci. Ça marche. Et du coup, la GND, c'est comment? Franchement, là, il manque plus que la drogue, et ça y est, frère, masterclass. Avec des converses. Pas très approprié. Ils sont à droite. Canaille, elle est bien dans le premier local. Hein. Ouais. De SET, un individu neutralisé. Il abuse de la carte. Opérateur touché. J'ai reçu blessure par balle. Afi. J'ai reçu. À moitié. Il y a un truc actuellement. Dans le local. Joue, il y avait un blessé. C'est dans le local. Ouais, dans le local. Ouais, il y a un mec qui s'est fait. On va faire les premiers soins, faudra ramener le doc. Ils ont planqué un médecin dans un blessé dans leur camp. Non, 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 il y a un opérateur qui est à terre. On aurait besoin d'un médecin à l'intérieur. Ah ouais, non, il y a un blessé. L'intérieur est clair. C'est reçu. Tu m'as un gangster. C'est Camté, il me faut un rapide brief concernant les blessures de l'opérateur, s'il vous plaît. Par balle. Afi, un individu nous attendait, à peine rentré, nous avons directement subi des coups de feu d'une arme automatique. Mais non, le 25 pour la GND, je vous laisse venir au niveau du premier point de perquisition, s'il vous plaît. On va rentrer. Mais non. Je regardais, bonsoir. Bonsoir, ça va? Merci. Moi, ouais. De 3-8, on a également un chien à l'intérieur du local, a priori non agressif, on aura besoin d'une unité canine, s'il vous plaît. C'est où là que l'opérateur y est blessé? Okay, celui derrière toi. Ok. Donc là ils sont rentrés dans le local, y'a un mec qui les a attendus à l'arme automatique. Il a attendu à l'arme automatique. Mais non. Oh, ils ont pas blagué hein. C'est un taré, il veut défendre. Où est l'opérateur? À gauche là. On s'assure de la sécurité. Est-ce que c'est clair à l'intérieur? Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Affirmatif, c'est clair, vous pouvez rentrer ça. Vous allez rentrer s'il vous plaît. Y'a pris. De 110 pour toutes les unités, si vous croisez le propriétaire Tyrone Lawson, merci de mettre en état d'arrestation, présence de très grande quantité de narcotiques dans l'un des deux locaux. Je pas après. Il est où le gars? C'est lui là? Il met mal à l'aise ce chien. Celui-ci, derrière Marcus, derrière. Ramenez-le la médecin, voilà, hop là. C'est derrière Marcus. Venez avec moi s'il vous plaît, madame. Venez. Madame, c'est. C'est là, ici on a notre agent. Je reconnais pas les voix en fait. Il est là, je suis là. Ici au sol, madame. Ici, s'il vous plaît. On aura la vue là-bas. Sur par balle. Putain.
Oh là, je m'attendais à Tech Mike. Qu'est-ce qu'il a eu? Ça va aller ou pas? Au niveau de l'épaule. Ça va, collègue? Je vous mets un pontage compressif, d'accord? Ça va. Balle dans le bras. Vas-y, fais des roulades, ça va aller plus. Balle droite ou à gauche? Balle dans le bras. Bah, ça ou ça, comme ça. Wow, c'est extraordinaire l'animation! Respire, je suis là, ok? T'inquiète, je presse ta plaie, Aide-le. Je presse sur ta plaie, t'inquiète pas. On est avec toi, bro. Prenez un bandage compressif, les gars, plutôt. Bandage compressif! Donne-moi ça, ok? Tiens. Je pouvais pas me blesser. Ça, c'est bon, ok? Je l'ai, je presse! Presse! Oh, l'anime est super stylé! Putain, reste avec nous, tiens le coup! Je vais reprendre mon vol, le massage cardiaque. Allez, reste avec nous, ok vieux. Tu restes avec nous, putain, reste avec nous, merde. Abondamment. D'accord, il est blessé ou pas perçu? Sur le flanc droit, madame. Oh, le assis mal au cœur, elle est extraordinaire. Épaule droite, épaule gauche. Bien joué, Peignat. Bon travail, Peignat. Ouais. Le médecin, là, il est en train de perdre. On est en train de le perdre. Médecin, s'il vous plaît, les médecins. Médecin. Oh putain. Administrez un décompressage précipice. Merde. S'il vous plaît, madame, on est en train de le perdre. Là, il faut lui administrer des soins d'urgence. Ok, je vous laisse vous écarter, s'il vous plaît. On est en train messieurs. De le perdre. Il a pris deux coups de chevrotine. Monsieur, reste avec nous. Reste avec et nous, 45. Monsieur. Monsieur, je vous fais une intubation d'urgence. Il a pris un coup de 12. Deux coups de Remington. De 39 aux unités GND, okay. Si c'est possible, de déplacer les transporteurs pleins et de ramener ceux qui sont vides devant le local, s'il vous plaît. Oh, Gucci. Négatif, oh, oui. Les trois vides sont à l'avant du convoi, on partira... Tous ensemble, et on a le médecin, on arrive. On est en train de perdre une vie dans le premier local perquisitionné. Affirmatif de 25 pour la GND, du coup, quand on va finir de remplir ça, on va partir à 5 là, dans le fil office. À gauche. Des médicales sur 16-35, s'il vous plaît. Ouais, local de gauche. Au final, le Kyle. Deux agents et un individu à terre. Non, mais je te parle. C'est capté pour information, le médic est déjà déployé sur cet appel. Ah, il est où l'autre agent? Là, l'intérieur, madame, rentrez. Je vous laisse monter dans les transporteurs, s'il vous plaît, on va partir. C'est parfait. Si, rentrez, s'il vous plaît, toutes les unités, rentrez. Ah, mais moi, j'ai sonné, moi. Coup pour information. C'est un peu compliqué là. Il y a beaucoup de narcotiques, d'accord, donc la GND va devoir. On va devoir s'éterniser ici un peu longtemps, d'accord. Il va falloir sécuriser cette zone et veiller à ce que ça déborde pas. Bien pris. Et là, ici, il y a quoi? C'est à gauche, capitaine. Oui, bonjour. Bonjour, du coup, suite à... Merci pour les unités GND, là, tout le monde est dans les speedo. Alors, si vous voulez, pouvez-vous vous écarter du champ? Ah ouais, pardon. Quelques instants, il n'y a pas de soucis. Du coup, ouais, je disais, suite à l'enquête et l'investiture de la GND, et après plusieurs mois d'enquête et de travail acharné, nous avons mis en place un dispositif visant à taper dans un coup fort dans le trafic de drogue et l'ensemble de la drogue. D'accord. Merci. Directeur Rafale. Ouais. Ça va, reste avec nous, ok les collègues. Reste avec nous. Procureur. Je savais votre. Oui, on cherche le mec. J'espère qu'ils vont le sortir l'interview. Tiens, là, je passe. Messieurs, s'il vous plaît. Bon citoyen américain, vous êtes. Allez, messieurs, en tant que bon citoyen, s'il vous plaît, on rentre sans faire de grabuge. Ta gueule. Putain, mais c'est encore un jour. Ok, bon, merci. Hein. Avance, ou tu vas te prendre un coup de matraque bêtement là. Avance. Reculez vers la raquette. Allez, la raquette, messieurs, la raquette, reculez. Monsieur, la voiture, stop. Eh, allez. La voiture. Aïe. Stop, ils sont blessés, vous arrêtez. Allez, circulez, monsieur. Personne blessée, vous les récupérez, vous les menottez, le reste vous les bouchez à nous de la raquette et ils resteront là-bas. Allez messieurs, vous relevez, vous allez vers la raquette, on avance, allez, hop. Ta gueule, nique ta merde. Eh, fermez-la. C'est l'autre sens, monsieur. Allez, monsieur. Dépêchez-vous. Recule. Et ramasse ta dent aussi, allez, avance.
Allez, allez, reculez. Voilà. Allez, dépêchez-vous. Allez, reculez. Fais gaffe, t'as perdu une dent, fais gaffe. Avance. C'est qui a dit que j'ai perdu une dent? Vous avez la moitié d'un cerveau, je sais pas. D'ailleurs, la ligne stop. J'ai perdu mes couilles en deux secondes. Allez, allez, dans votre. J'avais pas capté qu'il avait une voix aussi, Zaf. C'est bon, dépointez messieurs, bon, arrêtez de pointer là. Allez, on se replie général. Vous avez fait quoi, négro là? On a fait notre travail. Ils l'ont buté, ils l'ont buté. Ils ont buté un négro. Allez, je pense qu'on va effectuer une ligne de sécurité comme la descente d'hier. Ils lui ont tiré dessus. Bien, Sam, bien, 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 on effectue la ligne de sécurité. T'es où? Je suis là, je suis là. Ah, mais non, il faut se mettre derrière la ligne pour la ligne de sécurité. Ok, vas-y. On va faire la ligne de sécurité ici, du coup, monsieur les agents. Hop là, on va se mettre là, tac. Parfait. Sam. Oui. Ouais ouais, bah parfait, restez reste ici. Parfait, on va contenir, on va contenir. Faites une ligne, faites une ligne. Ouais, les messieurs, faites une mise ligne, en place, mise en place d'une ligne de sécurité en bas là. Mais vas-y, bah va les rejoindre. Oh, vas-y, vas-y, viens, viens. Ah bah oui, pourquoi on va pas là-bas? Bah oui, mettez-vous en ligne, messieurs, allez-y, allez-y. Allez, c'est bon, je suis là, Serge, il va plus rien se passer là. Allez messieurs, effectuez une ligne de sécurité pour contenir les collègues et pour protéger la foule. Tu parles trop. OK. Allez monsieur. Garde toi. On en a un deuxième, je serais pas en plombé un deuxième. Je serais pas tout passé comme ça là. On est trop devant moi. C'était hella frère. Oh c'était. Non mais là je suis désolé. On s'est pas fiché une seconde frère. Et même là je sens que c'est pas terminé mon ref. Putain, on reste des plus vite. Monsieur, c'est passé qu'on a fait notre travail. C'est tout monsieur. Nous on fait notre boulot nous. Nous on fait notre boulot. Hey, nous on fait notre boulot nous. On a des agents internes, messieurs, des collègues internes aussi. Ah ouais, votre boulot c'est qu'on rentre et qu'on se fasse directement rafaler. Nous on travaille nous. Écoutez, j'ai parlé avec Sylvie, messieurs, j'ai parlé avec Sylvie. On lui a proposé une solution, ça lui a pas voulu. Si vous êtes pas content, on parle avec lui. Sérieusement là, il s'est passé quoi alors là? Messieurs, vous auriez été coopératif, il se serait rien passé du tout. Vous avez négocié au moins là? Bien sûr, ouais. Bien entendu. T'as pas négocié, demandé lui. T'as rien négocié, bordel. J'ai pas négocié avec toi, Sylvie, t'es sûr? C'est sûr à fond, toi. J'ai pas négocié. Super. T'as les mémoires courtes, je t'ai proposé une solution, tu l'as refusé. Mon sou, c'était une sale gueule. Attends, merde, faut que je mette un masque. Non, je t'ai expliqué que c'était pas possible que tu voulais. Tu ressembles à Kyle dans 50 ans. Je t'ai demandé une chose, Sylvie, je t'ai demandé le retrait de tes gars au milieu, t'as refusé d'écouter. Oh, ouais. Ouais, ça se passe comment pour notre niveau là, qu'est-ce qu'il y a la bordel? Les opérations vont être effectuées, vous aurez pas marché plus tard. Tout va bien se passer. Les médecins sont en train de s'occuper de lui. Faut une chose. Ouais, c'est surtout la même chose. Pardon, excusez-moi. Mais là, on fait notre travail, on se tire dessus. Sam aussi on dirait pas trop Sam. C'est capté, il vous reste combien de kilos à extraire en putain. Allez bordel. Comment c'est hella frère quand même. C'est bientôt terminé messieurs, je voudrais de rester calme s'il vous plaît, on va bientôt partir. Il vous reste combien de kilos à extraire pour le On a pas envie de nous embarquer, on a assez d'unité pour un combat. Bah allez, mais faut que ça pète, frère, c'est en train de monter depuis une demi-heure. C'est très expéditif, d'accord. Allez, faut que ça pète là. Bao. Si vous voulez, on appelle un bus pour tout de temps, tenez-vous bien là. C'est ok, je vous conseille. Voilà, sergent. Allez, cop, là, ça commence à faire un petit peu long là. Il y en a encore 3 minutes, sinon 3 minutes, vous êtes pas encore partis. Je vous jure, les négros qui sont derrière moi là, qui sont déter, on va vous faire bouger de là. Est-ce que c'est compris? Et vous ne ferez rien du tout, je vous le dis actuellement. Voilà. Je vous dire un truc, monsieur. C'est qui l'audi là? Merde, j'ai dit voilà. C'est qui l'audi là? J'ai entendu parler. Monsieur devant, c'est vous l'audi là? C'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Ok, bon, je pense que vous avez pas trop compris la situation, d'accord? Vous voulez actuellement, si je fais quoi? Donc, si au cas où, 3 minutes on part pas, vous allez dire vous avez des attaques, c'est pas ça? Tu recules! Et vous touchez dégage vers la ligne, man! Attends, ça de reculer par contre, par contre, dire une chose, comment vous appelez vous, l'audi là? Eh, t'as besoin de savoir! Ah bon, si pourtant je demandais à mes collègues, je peux savoir du coup, non? Moïgine? Mais non, Moïgine? Ok, c'est un CG, d'accord, bon, écoute-moi bien! C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Réfléchis bien aux conséquences après! C'est quoi le mot? Écoute!
C'est quoi le mot? Écoute, écoute, c'est dit. C'est moi, c'est le sergent derrière. On a bientôt terminé, d'accord? On a encore pour 10 minutes max. On va pas vous emmerder. On va pas vous emmerder. Restez tranquille. Je t'en ai donné 3 là. Comment je pourrais le caler? Ce sera pas suffisant. De base, ça devait faire 10 minutes seulement, man. Là, ça fait trop longtemps. Ah, je vais me faire virer, les gars. Ok, les adams qui arrivent en renfort, vous leur expliquez que leur but, c'est d'extraire la cam qu'il y a dans les locales stockées. Ah, c'est bon, il faut sortir le char, les man. Je vais passer par 4 chemins. Je suis sur vite là, ça commence à... L'opération, c'est... normalement, devait bien se dérouler. Malheureusement, on a trouvé un de tes... Ça a pris du temps, on a dû le neutraliser. Là, il est en train de se hospitaliser. Faites la ligne contre les balas, pardon. Ça prend du temps. Les médecins, ils sont... Faites la ligne, là, ici. Il y a beaucoup de tension dans votre quartier. On veut d'autre mieux, ok? Donc, c'est pas en nous attendant que ça va faire avancer les choses. Tout ce qu'on vous demande, c'est un minimum de coopération. Et dès qu'il y a cette coopération, on va tout faire. De quoi prendre pour reculer? Le plus vite possible. Comme ça, il n'y a pas de soucis, pas besoin de tirer les armes, pas besoin de... pas d'agression. Les collègues, reculez les collègues. Je pense que vous souhaitez rentrer chez vous, à votre maison, avec vos collègues. Ah, Peña, c'est bon, recule. C'est une fin monologue là. On va faire ça. Ok, très bien, c'est cool. Ouais, c'est bon, on a trouvé un terrain d'entente d'accès. Yeah, c'était quoi le terrain d'entente avec les bolos, les balas? Hein? Anderson, tu auras des problèmes. J'ai bugué. En gros, eux, ils rentrent dans leur raquette et nous, on essaie de partir plus vite possible. Ok, ça marche. Mais tu sais, je comprends pourquoi t'es plus GND. Pourquoi? Pourquoi? Tu vois ce que. J'ai glissé. J'ai pas fait exprès. T'as dit les bros alors que c'était juste derrière. Ouais, je sais, j'ai bégayé. Eh, donne-moi ta matraque. Pourquoi? Oh, donne-moi, franchement, donne-moi. Tiens. Pourquoi ils sortent des véhicules aussi? Ça sent pas bon. Tiens, ta matraque. Mets-moi un blocus devant, je vais la mort. Bah non, bah, je vais la garder. Parfait. Comment ça? Bah parce que j'en ai besoin. Donne. Quoi? Tu me braques? Bah non, je refuse. Ils sont en train de jouer sur mon bazar. J'ai pas peur. Les gars, je pouvais pas faire mieux, les gars, ça. Mais les gars, cette descente est incroyable. Non, ça, je peux pas faire mieux. En fait, si les balas l'entendent et qu'ils le disent au truc, je me fais virer instant, je vais les speedy. Je vais pas faire mieux. Je vais pas faire mieux, frère, c'était trop chaud, wesh. Messieurs, ma composition masque à gaz. Flanc gauche, flanc droit, messieurs, flanc gauche, flanc droit, ça commence à avancer. Putain, mais quelle descente, frère. Masque. Ouvrez les côtés. Messieurs, opération masque à gaz, sortez vos masques à gaz en opération compo 3-2. Tiens dans ta gueule. Ouais, je passe quoi? Ouais, je suis là. Wow, wow, wow. Arrêtez où? Merde. Ouais, je suis bien doux, viens d'où. La matraque, messieurs, la matraque. Ah, bordel. Oula, sur le... Merde. Ça vient d'où? Ça vient de derrière. Messieurs, privilégiez la matraque que le taser. Mais non derrière, oh, le caméraman. Wouah, ça sort d'où, frère? Au sol. Aïe. Aïe. Putain, j'ai pas fait un kill. Putain, j'ai pas fait un kill, frère. On arrive. Au sol. Oh! Mais les collègues ils me gênent avec leur taser de fou furieux là, ils vont que taser, wesh. Taser c'est trop nul en descente, hein. C'est super chiant, je trouve. Faudrait l'interdire, je pense, le taser en descente. Ah, oh, putain, fais chier. Oh, putain, merde. Oh, là, on t'a coupé, sale bâtard. Ah, putain. Ah, fuck. Ah, je t'ai bien baisé le blond. Ah, fuck! Plein dans la gueule! Ouais, tu l'as mangé aussi, mon coup de matraque, hein! Ah, fuck! Vous les empêchez de tuer dans la raquette et tout. Ouais, ils m'ont mis au sol. Ouais, je l'ai bien baisé, ouais. Ah, putain, passé! Allez, monsieur Galabou, merci. Comment on met mal au cœur? Retirez-moi votre masque là, monsieur. On est encore gagné, Anderson, c'est ce qui compte de 0. Quoi? Ils sont encore au sol aussi. On n'a pas perdu. Je comprends pas, collègue, mais ok. J'ai pas compris, collègue, juste. Mais t'inquiète, je suis d'accord avec toi.
Mais juste, voilà, j'ai pas compris. C'est... Ouais, t'es cool. Ok, attends. T'inquiète, c'est pas grave. Vas-y, t'inquiète, c'est pas grave, collègue. Comment on fait s'asseoir au truc là? S'asseoir avec le truc sur le cœur? Monsieur, une question. S'asseoir mal au cœur, s'asseoir mal au cœur. Il y en a une, elle était extraordinaire tout à l'heure. C'est ah si, mal au cœur. Oh putain. Oh fuck. Ils m'ont pas raté. Ouais, ouais, ça va, j'ai des prix au niveau du. T'as pas raté, putain de merde. On vend deux pour la GND, s'il te plaît, encore pour combien de temps? Putain. Et là, comment on fait? Ah si, genre, je me démange. Qui m'a appelé? Qui m'a appelé? Oui. Chercher, assis, discussion gang. Dites-moi. Désespéré, soufflé. Je ne sens pas bien le cops. On avait fait ça, putain, on m'avait pas raté. On entente, on allait partir. Ah ouais. On allait partir là. Comment on fait le mec qui se démange là? Oh là là, mais je me perds dans ces animes, c'est terrible. C'est terrible là. Expression peut-être. Man, il vient de me dire qu'il y a, ça va prendre encore du temps. Bah normal, parce que t'as vu ce qui s'est passé là. C'est vrai que j'ai entendu un notre Discord. Il y a eu encore un assaut de votre part, on a dû maîtriser plusieurs. Tu feras gaffe, je crois que t'as des messages, Peignat. On l'a énervé, bordel, on l'a énervé. J'ai pas de message que tu me racontes. Ah, j'ai entendu ton tel, je crois. J'en ai plus loup. C'est pas moi. Ah, ok. Mon tel, il est éteint. Ok, ok. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais. Bah, du coup, il y en a encore combien de temps là? Bah là, malheureusement, regarde tout. Les gars, vas-y, j'arrive pas, ça me casse les couilles, wesh. Sur tout ce sol là. Ils ont mal, ils ont ramassé des coups de tonne fa. Ça me casse les couilles, wesh. Taser, ça y est, malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, ouais. Allez, assis-toi. Je te chopperai, putain. Ouais, on se retrouve. Putain. Regarde-moi ça. C'est ce qui me branle. Qu'est-ce qu'on transporte là? Transporte quoi? C'est bon, c'est bon. T'as dit l'idée. Ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Ouais, vas-y, laisse tomber. Ça fait clairement plaisir. What? C'est quoi ça? Ouais, quoi? Que tu vas. C'est la piscine! Attention, attention, oh, n'allez pas ça! Ne vous approchez pas d'ici! Oh! Wesh, wesh, wesh! Oh, putain, ça va aller, ça va aller. Oh! Ça va avec les autres là-bas. Ça va, collègue? C'est bon, lui, en plus. Ça va, aller, ça, ça va, vas-y. Kista, tu mets un masque. Parce que y'a. Regarde, regarde, on va faire un truc. Y'a des fumigènes. Regarde, ça. Aïe! Arrêtez ça, monsieur. Aucun effort. Oh, j'ai une idée, les gars. What? Voilà. J'ai une idée, j'ai une idée. On relève pas, voilà, on reste par terre. Aucun effort, le cops, aucun effort. Attends, attends, je t'ai. Ouais, ah, pardon. Hey, non, t'es bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Menotte-le là. C'est bon, je t'ai des menottes. Avec ton masque. Viens, viens, t'as Iron Viol, lui vole son masque. Attends, attends. Vas-y, vas-y. Attends, je lui enlève. Arrache ton masque là. Arrache ton masque. T'arraches ton masque. Arrache ton masque. Rendez-moi mon masque. Moi, ils m'ont bien. Rendez, rendez le masque. Rends le masque, rends le masque. Aïe, aïe, aïe. Allez, lâchez la jambe. Lâchez la jambe là. Lâchez, rendez. Aaaaaah. Mais lâche la jambe là. Mais lâche-le. Aïe, aïe. Vous voulez quoi? Vous voulez gagner? Aïe, putain! Il est taré ce cops! Ça va aller, Anderson? Ça va aller! Wouah! Putain, l'assaut! Ça va aller, collègue? Rien de cassé? Rien de cassé, sergent? Ouais, ouais, ça va, ça va. Ouais, c'est bon. Ouais, il me l'a arraché, il me l'a arraché. T'inquiète, je vais aller le chercher! Ouais, allez, avant! On se revoit en bas du toboggan, hein. Une bouche d'incendie qui perturbe un peu le. Je vais vous démenoter, monsieur. Voilà, voilà. Monsieur, je vais vous démenoter, venez là. Venez là, monsieur, je vais vous démenoter. Eh non, pas toi, pas toi, non, je veux pas toi, je veux pas toi. Écoutez, monsieur, y'a pas de panique, d'accord, je vais vous démenoter, on va juste se mettre en face là-bas, là. Ça va, oh merde. Hop là, hop là, je vous desserre ça. Je vous enlève les menottes. Venez là, venez là, venez là. Voilà, c'est bien fait pour toi, le blanc. Venez là, venez, viens, viens, je t'enlève les menottes en vrai, viens, viens. C'est bien fait, t'es tout mouillé. J'ai pas de shooter à la gorge. Mais. Ça va, ça va. C'est quoi ce délire, frère? Ça va, ça va, nickel. Ouais, c'est pour ça, justement, tu peux démenoter. Tu parles de mon collègue trempé là? Eh, démenoté. Ah, moi je le fais. Ah, oh, mais je suis trop con, c'est pas possible. Ouais, t'as calmez-vous, messieurs. Putain, mais tu trouves pas la clé ou quoi? Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. T'as juste à m'enlever les menottes et je te fais plus chier, bordel. C'est un enfant, putain. Monsieur, on vous retire les menottes, d'accord, mais on fait confiance, pas de geste bien sûr, bien sûr. Vas-y, vas-y. Vas-y, des menottes. Allez, tac. Oh, des menottes moi là. Putain, mais t'as. Mais non, mais. T'inquiète. Vas-y, des menottes moi là. Là, 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 là
Allez, restez calme, messieurs, il n'y a pas de galère. Reculez un peu, s'il vous plaît, reculez un peu. Reculez un peu encore, s'il vous plaît. Ah, c'est Calvin, ça va ou pas? Yes, je me suis pris la bouche de monsieur, reculez un peu, monsieur, reculez, reculez un peu. Ouais. Prends un coup de matraque dans la bouche, un peu. Reculez encore un peu, s'il vous plaît, monsieur, dans le cadre des opérations police. Non, pardon, désolé, j'ai pas vu la bouche d'incendie, désolé. What? C'est assez tiré en fait. Non, 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 c'est pas du tout. Tu veux qu'on rigole? Non, 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 monsieur, désolé. Je crois drôle. Y'a pas de galère, y'a pas de galère. Aïe! Laissez-le, c'est bon, c'est bon, j'arrête, j'arrête. J'arrête, j'arrête, lieutenant. Ok, c'est bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête de forcer. C'est, j'arrête de forcer, c'est. Ça y est, c'est bon, j'arrête. Ça va aller, ça va aller, j'ai pris un peu la tasse, mais ça va. C'est juste super drôle les gars, arrêtez de parler rageux aussi. Tu ramènes un mec, tu dis recule, il se prend la bouche d'incendie, voilà, c'est super drôle, je suis désolé. Oui. Cassez-vous, putain. C'est vrai qu'on a passé la soirée chez le quartier, ouais, à Groom Street là pour le coup. C'est vrai qu'on a pris carrément la soirée, ouais. Si vous nous aurez pas dérangé, ça serait plus rapide, monsieur. Le menotté. C'est incroyablement drôle. Ouais, mais toi, après, rare, c'est parce que t'es JFC Bonheur, je pense que tu dis, ouais, c'est masterclass et si c'est. Ah, menottez-le. Pour être objectif. Pourquoi il est menotté, putain? Il a rien fait. Démenottez-moi. C'est lequel? Putain de merde. C'est lequel? On va le démenotter, c'est lequel? C'est lequel? C'est moi là. Juste, il reste calme, d'accord? Il est où? Casquette noire, casquette noire. Casquette noire. Ok, il est là. C'est bon, c'est fait. C'est bon. Oh, le combat. Mais regarde, le teu de cuit, toi, vraiment. Avec une négative, ça c'est grave. Ouais, il est bon, hein, faut pas abandonner. Ouais, recruter sur un critère de. Je vous jure, une stupidité. Oh, qu'est-ce que j'ai envie d'y aller. Entre 4 noirs, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Qu'est-ce que j'ai envie d'y aller, frère. Allez, on reste calme, monsieur. Ouf. Ouf. C'est fatigant. Bien bossé. Ah ouais, c'est fatigant, hein. C'est fatigant, c'est moi, j'ai des coups de matraque et de rien foutre. Attends, y'a la télé, fais genre. Du coup, heureusement qu'on était là pour neutraliser les individus. Affirmatif, la situation est sous contrôle, c'est du bon travail, on va continuer comme ça. Ta gueule, y'a la télé de l'eau. Ah ouais, y'a la télé. Ouais, derrière. Hé, la télé. C'est la télé, la télé. Ah, tu me dis, c'était à la rep. Eh, vous filmez là? Eh, vous filmez là? Eh, ça passe sur quoi là? Internet? Bon, c'est nul ça, vas-y, bonne soirée. Ah non, je sais pas. T'as pas la ref? Oh, attends, je suis dégoûté. En gros, c'est une meuf. Elle l'a filmé. Elle se faisait filmer. Et elle a dit: ah, ça passe sur quelle télé ça? Et là, le mec, il a dit: c'est rien, c'est internet. Elle a dit: bon, vas-y, c'est nul, je me barre. J'ai pas la ref. T'as pas la ref? Non. T'as même quelques films. Ouais, vas-y, dommage, dommage. Ça a l'air un peu nul. En fait. Non, en vrai, c'est super drôle. T'es ref sur Canal V? Super drôle. Quoi? T'as du retour de flamme. Il a la même gueule que Félix, genre. La barre un peu tracée légèrement, vraiment légèrement, genre des lignes, tu vois. C'est ah, ben non, on passe à côté de la fontaine. Le premier qui se fait sauter, c'est, c'est le pardon. Venez, venez, on se fera une balayette. Arrête, toi, il est né. On est des gars, il y a la télé. C'est vrai qu'il y a la télé. Ok, du coup, la télévision, suivez-nous là, on va aller au contact des jeunes. Ok, ouais, ok, bon, c'est pas grave. Oh, le respect, même la télé peut pas te suivre. Genre, vraiment là. Pourquoi tu recours comme Santana? Ah ouais, non, mais c'est parce que. Ouais. Bonjour messieurs. Je crois qu'il est vraiment bourré de Santana lui. Vous êtes calmé? Lindelof. Ah, Lindelof, reculez. Lindelof, recule, recule. Oh merde, il y a une limite, excusez-moi. C'est la frontière. Frontière Ballas, elle est saisie, elle est saisie. Est-ce que Lorraine, c'est là? Yo, c'est le représentant de FC Derive. Elle n'est pas là. Pourquoi on ne va pas mater la radio d'aujourd'hui pendant que le live marche? Non, normalement tu peux, mon rap, tu dois bugger. Ça doit être un bug, je pense. I think it's un bug. Bon, c'est pas terminé cette descente, les pauvres, on va pas les retenir toute la soirée, non? C'est battle de danse maintenant.
Parce qu'il y a de l'oxygène. La musique, si vous voulez. Allez, attends, mais ton masque est relié à ton cou, mais derrière ton cou, t'as rien, t'avais pas de bonbon. Ah ouais. Qui est chaud pour un petit break là? Moi, je suis chaud. Comment ça, petit break? Un break dance? T'es chaud, personne. Ok, ok. C'est la bataille du siècle là. J'ai cru que vous parliez qu'on se la mette sur la gueule. Non, 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 mais ça, pas du tout. Non, moi je veux juste la danse là en bas. Ok, ouais, tu on paye les points ou on attend de rentrer au PDP? Voilà, là. Wow! Hey! Hey! Oh là là, hey, là, là. Hey, hey, wow, wow, calmez-vous. Wow, wow. C'est de la danse, monsieur. Cachou, allez, danse là. Danse, Nero. Voler n'est pas bon. Voler, voler n'est pas bon. Hey. Voler, voler n'est pas bon. Voler, voler n'est pas bon. Allez, danse. Reviens, t'as pas les couilles, t'as pas les couilles de revenir. Wow. What? Comment c'est ta mère? Si je peux prendre des. Qui c'est qui a tiré à l'arme là? Ça va aller, monsieur, ou pas? Ça va aller? Non, il y a eu. Collègue? Un pour un. Oui, oui, non. Collègue? Attends, il y a eu, y a eu, y a eu des tirs là. C'est qui l'enfoiré qui m'a foutu une piqûre dans le cul là? Putain! Ça, c'est un coup de beatback du lieutenant, c'est sûr. Écoutez, ça va être simple là. Le prochain qui tente quoi que ce soit, que ça sert d'exemple. On va lui faire boire la. On va lui mettre dans la tasse. Qu'est-ce que tu mets? Tu vois, c'est pour ça que t'es encore officier 2, toi, ah, c'est sûr. Ah, ah non, je fais pas. Que ça serve d'exemple pour tout le monde. Attendez, mais vous non. Êtes... Va le rafraîchir, va le rafraîchir. Ouais, je vais le rafraîchir. Que ça serve d'exemple pour tout le monde, là, la moindre tentative, ce sera rafraîchissement, bouche d'incendie. Ok. Que ça serve de leçon. Que ça serve de leçon. Non, non, mais en gros, maintenant, s'ils tentent quoi que ce soit, on les met dans la bouche d'incendie, ça les calme quoi. On va filer tous de l'eau là, le running gag commence à être trop pénible. Ok, ça marche, on arrête. Allez, tu vas te relever, tu vas aller rejoindre tes copains maintenant. Non, mais non. Non, 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 j'y crois pas. T'es un nommé, ça va attendre. T'as pris une balle? Putain, ouais. Et regardez avec vos matraques. Ouais, connard. Ferme ta gueule. Restez avec moi, monsieur, restez avec moi, ça va aller. Restez avec moi, d'accord, monsieur, vous vous accrochez. Ah, monsieur, t'es encore une fois ma mère, je te mets une grosse tarte dans la gueule. Comme ça, t'insultes ma mère. Je vais te faire enculer. Ferme ta gueule. T'insultes encore ma mère, je te mets. Grosse pas pour ta gueule. Monsieur, restez avec moi, d'accord, allez, Speedy, restez avec moi, monsieur. Restez avec moi, don't move, monsieur. D'accord, monsieur, restez avec moi. J'étais ancien médecin. Il est ancien médecin, il va vous sauver, restez avec moi. Restez avec moi. Du coup, vous réalisez un bouche à bouche si vous voulez pas dans 5 secondes, monsieur. Ouais, c'est non, non, mais en gros, il a pris une balle, il est pas bien, on appelle les EMS là. Ah, il a pris une balle. Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais. Attendez, bah, je vais réaliser une compression, monsieur. Réalise une compression. Je vais faire ma compresse, voilà. J'ai appelé un médecin. S'il vous plaît, médic, s'il vous plaît, médic. 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 Médic, s'il te plaît, médic. Médic. Non mais t'inquiète, elle arrive, on a ok, on a un blessé par balle là-bas, s'il vous plaît. Merci Mehdi. Il est pas blessé par balle du tout, les gars. Tu l'as appelé, si, si. Tu l'as appelé Mehdi. Arrête de mentir. Mais si. Mais il s'est pris une balle, il s'est pris une balle, il m'a dit l'individu là. Je vois la plaie qui est ouverte. Quel menteur. Ok, ça marche. Le mec il parle, il baille, frère. Ouais, je baille, après parle-moi, mon ref. Monsieur, ne bougez pas. Ouais, les collègues sont fait esprit, ils ont tiré sur l'individu, je crois, ça. Monsieur, t'as appelé mes enfants, ouais, il arrive. C'est la capitaine, monsieur. Le médecin, ils ont été appelés. Il a toujours un pouls. Mais il a toujours un pouls. Et j'ai compris que c'est la pire. Je vais me mettre devant pour bloquer l'eau. J'empêche l'eau d'avancer. Ça recommence. Monsieur, attention, sortez pas vos armes létales. C'est bon, on va arrêter avec la vanne de l'eau, les gars. Il a pris une balle où ça exactement? Ça va, Marcus? Je crois au niveau de la jambe. Ouais, je crois à la jambe, c'est un as. Ouais. En gros, il a foncé sur la foule, on l'a neutralisé avec la matraque et il y a une balle qui s'est perdue dans le cou. Il y a une personne qui choque. Dès que t'aimes la gifle. Ok. Il a un peu découpé. Découper son pantalon. C'est bon, on arrête. C'est plus drôle. Ça. On a la plaie. Ok, parfait. Ok. Hop, voilà. Attendez que je vous passe hop une compresse. Voilà.
Passez-moi l'alcool surtout pour désinfecter. Ok, ok, je passe. Tenez. La bouteille d'alcool en plastique. Attendez, j'ai un petit spray désinfectant, vous voulez que je mette un petit spray? Mets-lui, 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 mets-lui. Non, 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 mets pas. C'est quoi ça, les crasseux là? C'est des crapauds. Ok, parce qu'en fait j'ai du axe. Si vous voulez, je peux mettre du axe sur la voilà. Alors, au niveau de la blessure, ok, la balle est ressortie, donc ça va, tant mieux. Tant mieux. Ok, donnez-moi une compresse propre. Ouais, tenez, je vous donne ça. Hop, attendez que je l'ouvre, voilà. Voilà, je l'ouvre avec mes dents. Mais non, mais pas avec les dents, t'es malade. Pour voilà, mais pas du tout, non, non, non. Ah, avec la compresse, la compresse est stérile, vous inquiétez pas, la compresse est stérile. Blessure par balle au niveau de la jambe, voilà. Droit, des infections, c'est fait, la balle, y a plus de... la balle est ressortie, et la personne est inconsciente. Oh, ok. Maltesa. Ah, on va se reprendre. Voilà, ouais, on entend toujours son cœur battre, vous inquiétez pas, le pouls est à peu près. Mais je suis toujours vivante, hein. C'est vrai que si on se concentre bien, on peut entendre son poubade. Ouais. Écoutez, si on se concentre bien, regardez. Ouais. Mais non. Madame, désolé, hein, je vais pas vous manquer de respect, mais ça vous dirait de raccrocher un peu votre téléphone et sauver la vie de monsieur, quoi. Il y a quand même une urgence là actuellement. Il est juste. Vous pouvez juste vous pousser. Ouais, bien sûr. Vous infectez la plaie. Ah ouais, bon. Du coup, madame, je vous disais, c'est pas méchant, mais juste revoyez le sens de vos priorités. Surtout que moi je suis opéré, enfin je oui, bien sûr, bien sûr. Téléphone et c'est. Non, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Je suis juste... une pieuvre en fait, c'est surtout ça. Ouais, ok, ok. Et mes collègues ont juste peur que je me fasse enlever, les gars. C'est le bruit de la pieuvre. Ah. Alors, drôle de pieuvre, par contre. Vous êtes timide. C'est une drôle de pieuvre, hein, clairement. Non, mais. Ok, c'est bon, le camtar est plein. Le capteur est plein ou pas? Ah oui. Ok, parfait. Je vais aller voir l'agent directement et lui dire pourquoi il a fait ça, vous voyez. Il nous a esquivé. C'est vrai qu'il évite un peu la discussion, mais je vais essayer de le voir. Capitaine, il y a combien... Moi, je suis mis au courant. Capitaine, il y a combien de tonnes qui a été saisie là? Parce que je vois faire des alertes. Il y a 2 tonnes, 3 tonnes. Mais peut-être, j'ai pas plus d'infos. Tu te rends compte que t'as peut-être gâché une vie là? C'est la prise de l'année. Il est déjà 22h30, mais non. Ah, alors parfois je ne sais vraiment pas où il est. Dans ce cas-là, ça marche. Ouais, parfait. Venez avec moi, du coup. On va y aller. On va vous montrer un peu les images, du coup. 22 pour 25, contact. Je m'occupe de l'éclairage. Oui, ah, ok, bah c'est bon. C'est nice. Ouais, dis-moi. Ouais, vas-y, tu veux pas que je te mette une balayette là? On se trouve, t'inquiète. Vas-y. T'inquiète. Quoi, vas-y? 100 kilos, tu vois. 50, vas-y, tu pars 20 kilos, 20 kilos. 20 kilos. Comme une envie d'IC. Ouais, moi aussi, je boirais bien un petit IC là. Ah, j'ai super faim, je prends ski à croquettes pour chien, bouffe. Jus pour chien, je prends n'importe. Y'a pas un truc à grailler, à manger, s'il vous plaît, les collègues. C'est des croquettes? Ouais, même des croquettes, je prends, je te jure, j'ai trop faim. Tiens, prends deux notes. Merci, merci. Mais j'ai surtout soif en fait. Merci. Merci. Et puis tiens, voilà. Ah, merci beaucoup. Et puis, merci, ça va mieux, Sam. Je te remercie. Bisous. Ah, vas-y, bon courage. J'ai pas de merde à te donner. Salut. Merci, merci. Allez, salut, pas messieurs. Salut. Pas bien, mec. Qu'est-ce que vous faites là? C'est détente. Bon, on attend. Oh, on est là pour la surveillance. Ah, ok. On est là en backup. En backup. Ça va mieux ton visage, ton corps, tes bras, tout. Parce que quand on est arrivé, t'étais un peu en train de te faire prendre à partie. Violenté. Par quoi? Par qui? Par qui déjà? Ah ouais, les balasses. Je suis arrivé, t'étais allongé par terre avec la. Ouais. C'était arrivé. Bah en gros, je me suis fait pris à part par les balasses, ils m'ont sauté dessus. Pourquoi? Ils aiment pas ta tête? Non, mais c'est parce que c'est la police, tu connais quoi. Je pensais que c'était toi. T'étais visé okay. Personnellement. Ouais, c'est vrai, à ce qui paraît, il y a 3 sergents de GLSSD qui ont été virés. Ah, si pareil. Ah ouais? Parlons pas de CG Sens. Il m'a dit ça, ça. Plus que 5, ça me fend le cul. Et ouais, vous êtes, vous êtes pas fait virer, vous? Non. Pourquoi toi, tu as signé quoi là? Ah, ça veut dire quoi ça? Bah, ça veut dire que vous auriez pu être sergent. Ah, super, ouais. Super. Ça essaie de nous dégager là. Ah, je crois qu'il y a votre capitaine qui arrive. Capitaine Beden. Retire ton pied du village de ma tante. Oula, enlève. Tout ça par un, je s'explose. Ok, messieurs, calmez-vous, on va y aller doucement. Dégage. On va y aller calmement, messieurs. Matraquons bien, messieurs, si jamais ça part en cacahuète. Arrêtez de crier, monsieur.
Calmez-vous les sauvages là-haut. Didi, t'es énervé ce soir. Ah bon, une bonne opération hein. Ah bah il est pour retrouver Phoenix alors, il est où Phoenix? Bonne question, Mais je crois qu'il vous avez vu mon mec. Oh yes, oh yes. Comme reçu les unités. Eh salut mon sous. Let's go mon sous. Let's go mon sous. C'est fou parce qu'on était ensemble en Adam, je suis pas passé une minute avec toi pendant la descente. Ouais, c'est dingue ça. Ah, j'étais trop occupé à me battre avec eux. Lui il a pas de voisin lui frère, t'es dehors. Lui il n'a absolument pas de voisin. Louade. Bien reçu, on peut lever le camp messieurs. Je pense à Santana, ouais. Confirmez qu'il y a un speed rempli s'il vous plaît. Allez, allez bonne soirée, bon chiffre. Pam pam pam. Affirmatif de 83, je ramène à l'actuel. Merci bien, on peut lever le camp, on y va. Coupez les codes 3 messieurs. Eh ben c'était sportif en tout cas. Eh ben en tout cas c'était long certes, mais en tout cas on a un putain de tonne de coq qui est colossal. Je crois qu'on n'a jamais pris autant. Ouais clairement, combien? 3 tonnes. Ouf, ok. C'est pas mal. Ouais franchement c'est vraiment pas mal. Et je pense que c'est pas mal, non, ça fait du bien. Ça va faire une sacrée franchement, photo. Franchement ce ouais, soir Gucci, grave lourd la scène, bah ouais. Et vive le SC Bonheur. Pour la GND, je vous laisserai tous ranger les Speedo et Pounder à part le Speedo rempli. C'est à 10-10 là ou quoi là? C'est à 10-10, ça va avoir 106 un peu ou pas? Ça va avoir des meufs. Ne rangez pas en revanche s'il vous plaît le Granger Retro là, on va patrouiller. Ça date les patrouilles, ouais, demain on va patrouiller hein. Mais il peut passer un rookie. Demain on patrouille. Mais pourquoi je fais pas comme avant ça? Pourquoi je fais pas comme avant? Avant je me connectais, j'allais en patrouille et après vers 21h et 20 civils. Bah mais c'était incroyable. Au moins tout le monde est content. Et en plus après 21h30 c'est soit gunfight soit OP toi. De 22 pour toutes les unités, vous êtes tombés pour notre photo au niveau de la fresque. Je vous laisse ranger vos véhicules, s'il vous plaît, gardez la fresque libre. J'ai rangé la caisse, mon sous. Après, les gars, moi je vais pas trop streamer. C'est ainsi comme je vous l'ai dit, j'ai un petit coup de mou. C'est-à-dire, je préfère faire des petits lives. Oh, Pablo Imo, il m'appelle. C'est-à-dire, je préfère faire des petits lives de 4-5 heures max, tu vois. Plutôt que de me buter alors que. Ouais, Gandalf. Comme ça, je retrouve le plaisir petit à petit. Même si, en... genre, je me régale, tu vois. Mais c'est-à-dire que le. Ça va j'ai... Ouais, ça va, ça va. Ah, Gandalf. Ouais. Je fais quoi là, 10-10 Ouais. Ouais, moi aussi. Hein. Ah, t'es pas. Ah, sens que c'est quel garage? Attends, tu galères pas là, un peu ces temps-ci? 6ème. Je sais pas, en règle générale. 6ème. Je veux dire, allez. Je sais pas, moi je trouve que je galère. On va votre 10-20 actuel, s'il vous plaît. Bah, je sais pas, bref. Par rapport au taf, à tout, tu vois. Non, au taf, en fait, ce qu'il faut savoir, ça va, t'inquiète, moi, sous. Ouais, t'as raison, vrai, faut bien s'organiser, Gandalf. Tac, t'arrives pas à trouver civil, moi, en fait, c'est lourd. Ce qu'il faut savoir, quoi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je vais un plus tôt l'après-midi, tu vois, et mes heures de patrouille je les fais genre à peu près de 15h à 19h. Ouais, je capte. Et c'est pour ça que ça monte. Ouais, c'est ce que je faisais avant et c'était mieux, mais je vais refaire la même chose. Vas-y, tu connais. Elle est où la toffe? La top elle est à la presse, mais attends, il est où Ramsey? Oui, je vais avoir une bonne place sur la photo. C'est où la photo? Ah oui, la photo c'est là-bas. Ah, c'est là-bas. C'est de l'autre côté, les mecs. Calmez-vous. Calmez-vous. On se calme. Il grogne. C'est drôle ça, Anderson. T'es sûr de toi? C'est bon, je rigole. Anderson, comment ça se passe à GLD? Ça va. Ça sort. Ça se passe aussi bien qu'à la Pimille. J'ai peur de savoir. Bah alors, oh le flop. Bah alors toi. Oh le flop, sergent. Ça sort, évidemment, toi. Bénia, vous êtes magnifique. Merci. Eh, merci d'avoir sauvé ma soeur tout à l'heure. Attendez, attention, Mathieu. Par contre, l'enfer, je vous ai dit, il ressemble. Attends. 74, là, t'as pas l'impression que tu me pousses? Bah, c'est devant, c'est devant, c'est vous comme l'équipe de football.
Eh bonsoir monsieur le juge. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais mettre la dernière table. Bonsoir monsieur Sentier. Mais non, genre sérieux là, ça allait prendre la photo sans moi. Oh non, Lindelof. Non mais Lindelof, pas devant moi. Pas devant, connard. Non non, mais je me mets comme ça, vous inquiétez pas. Mais on ne voit pas là. Mais les gars, mais je suis allongé. Eh calmez-vous les enfants là. Mais les gars, je suis allongé. Mais oh, c'est bon. C'est fini, on va rentrer. Les tables sont vides là, réfléchissez un petit peu. Ah oui, c'est vrai. Vous allez tous reculer, vous allez laisser les agents remplir le table. Et vous allez arrêter de beugler là comme des animaux, sinon vous allez pas faire la photo, est-ce que c'est clair? Ce devant là, s'il vous plaît, là, partez là, laissez-les. En tant que membre de la MRD, je vais m'occuper de la photo. Oui, voilà. Là, vous faites ah, mais sentez membre de la MRD alors. Dictez-les-vous là devant, s'il vous plaît. Les plus grands derrière, les plus petits devant. 1m60, c'est une longue histoire. Mettez de la quicheta là sur la table, là, s'il vous plaît. Viens faire les nerveux, hein. Je vais mettre 92. Allumez les lumières là, on voit rien. Ah, mais y'en a aussi. Quelqu'un peut se sacrifier pour mettre une lampe torche comme et il est pas sur la photo par contre. Ah non, 70. On 70. Non, ça va, ça va. Merci. Est-ce que vous avez ce que vous m'avez parlé tout à l'heure? Je sais qu'il est pas trop. Vous êtes éclairant. Il y en a tellement que ça ça. Ah attendez, je vais essayer d'aller chercher. Là la fusée le fou se mettre là. De Bruegel quoi. L'arme de destruction massive. Comment ça je fais le cancre, je suis posé. Eh par contre, mettez pas la quicheta par terre là, mettez sur la table. Ouais, mais c'est ce que j'essaie de faire. La quicheta. C'est moi la quicheta. C'est moi la taille de la quicheta. Oui. Mais c'est juste un billet d'un dollar. Mais pourquoi il y a un poteau? Pas d'armes sur la photo, pas d'armes. Voilà, nickel. Godolf, putain, comme nous, putain, comme ça va, mon souci. Attendez, attendez. Rangez votre pompe, s'il vous plaît. Sergent, il y a. La 70 qui est parti chercher une arme. Même dans les clips des pump, ils ont pas autant de cartes. Ah, par contre, les armes saisies. Vos masques, s'il vous plaît. Une grosse arme en plus. Okay, ah, on a saisi. Mettez-vous en position. Ça sort bien ce connard. On prend la photo dans une minute. Attendez, mets-toi bien, Godolf. Non, négatif, Wayne. Il y a l'arme des saisies qui arrive. Allez. Tu me mets comment? Tu te recules, tu te mets à notre hauteur. Voilà, c'est. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, Lindelof. C'est toi qui as mis le véhicule, bien joué comme ça. C'est bravo, Lindelof. Non, c'est moi qui l'ai mis, c'est moi qui l'ai mis. Ah, bah, je vais alors, c'est silencieux. Dites-moi quand c'est bon. Ah, mais baissez votre voilà, c'est on bon, attend l'arme qui arrive là. On attend l'arme. Que la belle photo que ça fait. L'arme de saisie là, on a saisi une arme apparemment. Ah bon? Oui, c'est lui qui a utilisé pour tirer sur l'opérateur. D'accord, non, AK-47. Un AK-47. Ah ouais, à droite, non, on n'était pas devant la SD. Ouais. Faites une petite pause. Pas, ah, faut GF3 mon chat. Cache pas la SD. Ah, ok. Voilà, on cache pas la SD. Hein. Pour pas qu'on s'entremêle les bras là. Ouais. Semble à mon grand-père. C'est possible. Là. Ward. Il y a pas de tache de peinture aussi. Dis-moi le chef, pourquoi? C'est un accident. Le mot malité. Du coup, les gars, demain c'est dimanche ou samedi? Demain c'est un GND. Non, dimanche. GND. Demain dimanche, normalement je vous explique le. Dimanche c'est cérémonie des viewers. Et je vous explique du coup l'événement qu'il va y avoir pour samedi prochain. Silence dans l'assemblée. Du coup là ce soir on a saisi pas loin de 3 tonnes, d'accord. On n'a pas encore pesé. Mais on est pas loin des 3 tonnes, d'accord. C'est de loin la plus grande saisie de notre département, d'accord. De l'humanité. Une saisie relativement significative. C'est pour ça qu'on doit quand même féliciter le travail de certains détectives de la GND, on peut applaudir. Notamment le capitaine Clark, ah ouais, demain c'est le cas sur Discord aussi, ouais. Le détective Drake. Putain, mais les gars, ça fait une semaine que j'attends Jackson, ainsi que le détective Howard. Eh bien joué à vous. Attends, mais le sergent, il s'est félicité lui. Si je peux me permettre, sergent. Félicitations. C'est oui. Lui-même le sergent. Très bon travail de la part de Burnett qui est à l'origine de cette opération qui a permis. Bravo. Voilà. Mais aussi. Félicitations, Burnett. Bravo, Marcus. Bravo à vous. J'espère que tu viendras des anciens. On partait en aura ensemble avant. Ouais. Il y a quand même 2-3 choses qui sont mal passées durant cette opération, d'accord. Je vais laisser Phoenix nous expliquer ce qui s'est mal passé. Allez-y, oh Phoenix. Oh non. Ah, t'as poussé moi. Alors, bon, messieurs, dames, alors du coup, bon, je vais faire bref actuellement pour l'opération. En soi, vous avez tous bien joué, comme l'a dit le sergent Ward. Par contre, il y a des petites choses qui doivent être assimilées. 23h la soirée Kagan. Il n'y a pas de souci. Par contre, n'oubliez pas que vous avez la vie de civil en jeu. Je vous explique actuellement, comme j'avais annoncé, des balas c'était au niveau des bâtiments. À ce moment-là, j'ai vu donc
j'ai pensé directement qu'il y avait donc maître, enfin le procureur Kirkov ainsi que Clark ainsi que le capitaine Kermala, seul et ainsi qu'un civil, d'accord. Je me suis retrouvé seul contre deux ballasts qui les ont agressés. Hein. En formation, ouais, quand vrai, vous voyez des procureurs ainsi que des VIP, voilà, c'est la protection en priorité, d'accord. Voilà, c'est là, tu seul, c'est voilà, vrai, c'est capté. La prochaine fois éviter, car si j'étais pas là, j'aurais pas de déchargé de leur corps, ok. Voilà, c'est tout ce petit rappel, mais en tout cas, dans l'ensemble, vous avez tous bien joué. Allez. Dernier petit point avant la photo. La top. Comme vous l'avez sûrement dit, j'étais pas là juste à ce moment-là. C'est une saisie exceptionnelle, hein, pratiquement entre 2,5 et 3 tonnes de cannabis. Mais aussi, ça a permis de retirer quelque chose qui avait été repéré dans une précédente opération de la GND. Et du coup, ce qui nous a amené à la saisie Doudou, hein, ouais, de cette arme. Oh, bon. Ouais. C'est une arme de Colombie, c'est un jour. Regardez-moi, non, oui, 14, c'est une photo là. Oui, c'est... Donc, messieurs, cette arme a été récupérée grâce à l'intervention de la TRT. Oh, les individus, enfin, les agents de la TRT sont partis se reposer parce qu'ils ont été blessés au niveau de l'épaule. Putain, et voilà, félicitations à eux pour leur travail. Félicitations à la TRT, bravo la TRT. Bravo la TRT. Je vais sortir la K, ils vont tous faire KK. Et ouais. Voilà. À la K. On va pouvoir prendre une petite photo de tous les côtés. Fais un saut. Pardon. C'est quoi, t'as un guignol ou quoi? C'est quoi cette merde? Allez-y, allez-y, là. J'ai chopé la fin. J'ai les balas. C'est vrai, c'est vrai. Eh, cheese pour la photo. Coller. C'est magnifique. Berki. Mettez-la. Oui, ben c'est la gamme. Allez où là, ok, c'est mon carré. Voilà. Cuisine de la canine. Blâmé. Laissez-moi à gauche là, baissez vos mains là, s'il vous plaît. Ouais, t'attends. Baissez les mains, baissez les mains. Baissez vos mains, s'il vous plaît. Mais j'ai une tendinite. Passe-moi, tu viens de Grove Street, toi. Attends, tu vas être en face de moi, mon gars. Allez-y, allez, on dit tous Pookie. Je pense qu'on est pas mal. Pookie. Pookie. Ok, c'est ouais, parti, let's go. Attendez, je vais vérifier le cliché. You fucking Treyway. Treyway. Vérifie le cliché. Les gars. King of New York. Il a un bonnet. C'est vrai, un peu de ça. Ok, monsieur, c'est une fin d'opération. Félicitations à tous. Bravo, messieurs. Allez messieurs, maintenant on reprend le truc, on va les mettre dans le coffre des saisies, s'il vous plaît, tous ensemble. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à déplier la table. Allez, ça s'appelle être un génie, c'est tu lances le truc et tu tailles. Ça, c'est ce qu'on appelle être un génie, tu vois, parce que si c'est toi qui lance le truc, les gens se diront jamais, ouais, il a pas fait. On va les ramasser là, on part pas tous. Ah putain, je suis lourd. On les met où les saisies? Donc, on est d'accord, hein. Ok, je vais. pas mal. Merci. Coffre décisif, ouais, c'est en bas là. Eh, hey, salut ma blondasse préférée. Attends, je suis la seule blondasse, hein. Ouais, je sais. Donc en soi, c'est un peu compliqué. Ouais, mais ça reste un compliment, n'empêche. Ouais, non, mais je prends, ça fait plaisir. Ah, bah, je te présente Sam. Ah, bah, Gindelof aussi, vous étiez tout à l'heure. Tu les connais, non? Ah ouais, je t'avais. On était en descente balasse. On l'a vu, même il y avait la 2-3. Ah, c'est ça le truc ouais, à faire. Ouais, combien de tonnes de prix de coque de 8? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? 3 ouais. tonnes de 8. Après, ça a dit que l'ID c'est mieux que la GND. 3000 kilos. 3 tonnes. Nombre de 2. 3000 kilos, alors que dis-toi, 10 dollars c'est 1 gramme. Et ça fait combien? Dis-toi, 1000 grammes ça fait 10 000 dollars. 1 kilo. Donc tu fais 10. Mais comment ça 1 kilo c'est 10 000? Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est 50 dollars je crois 1 gramme. C'est... Mais 1 gramme, 1 prix gramme de revente du gramme c'est 50 dollars je crois ou 40. Oui ouais, mais c'est ça. À la revente Eh ben tu fais donc 50 grammes. Mais à la revente à la sauvette. Mais regarde, t'es complètement bourré. Ah, regarde, vas-y, t'es complètement bourré. Un gramme, c'est 50. On va dire c'est merci. 50. Du oui. coup, ça veut dire 1000 grammes, c'est... Donc, tu fais 1000 fois 50. Tu fais 1000 fois 50 et ça fait 50 000. Voilà. Oui, donc. Mais fois 3. Fois 3, 150 000. 150 000. Là, on vient de prendre pour 150 000 dollars de saisie. Fois 3 000, ça fait 150 millions.
Non mais t'es complètement bourré mon pauvre. Waouh, vous allez loin les gars. Elle va dormir. Elle va dormir, viens viens Sam, viens Sam, rentre. Mais je sais pas comment je me calcule, mais vous tenez 150 millions, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais un gramme c'est 50 dollars. Non, ce n'est pas un gramme, c'est... Un gramme, c'est 50 dollars. Oui, 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 oui. Oui, je comprends, oui, il va en venir, je comprends. C'est 1000 grammes. Oui. 1000 grammes, 1 kilo. Oui. Donc tu fais 1000 fois 50. Oui. Mais je te casse les couilles. 1000 fois 50, ça fait combien? Ça fait 50 000. Là, on a eu combien? On a eu 3000 kilos. Fois... On a chopé 3 kilos. On a chopé 3 kilos. 1000 fois 50. 3000 fois 50, il a raison, hein, le collègue. 3 tonnes. On a et ça fait 50 000. Et tu fais ça fois 3. Tu fais quoi? On a 3 tonnes. Tu fais 3000 fois 50. 3000 fois 50. Ok, bah 150 millions. D'accord. 3. On a mais parce qu'on a 3000 tonnes. Mais on a 3000 grammes. On a 3000 grammes. 3000 grammes. On a 3 tonnes. 3 tonnes. Il y a 3 tonnes. Donc tu fais 3000 fois 50. J'aurais même pas dû les aider. Pas du tout. Kyle, ok. Mais pas du tout, là c'est ça. C'est ça, voilà. Mais non, mais là c'est 150 000, c'est pour 1000 grammes. Mais qu'est-ce que tu racontes? 1000 grammes c'est une tonne. Là c'est pour une tonne. J'ai envie de tac. Ah, tu sais que c'est trop con, Kyle. C'est bon. Kyle, t'es trop con, je suis mort. Kyle, c'est bon. Puis ils ont raison, d'accord. Une tonne égale 1000 grammes. Mais là, on dirait que tu ressembles au mec qui dit 120 secondes, ça fait pas 2 minutes, ça fait 1 minute 20. Mais non, ouais, là, c'est vrai que mais non, mais en gros, je t'explique. Moi, moi, je sais, j'ai compris, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais là, je te parle de là maintenant, moi, là, tout de suite. Là, on a perquis pour 150 000 dollars et pas 150 000 dollars. Exactement, c'est ça. Oui, voilà, mais en temps normal, c'est 150 000. Ouais, ouais, mais là, non. Mais là, non, parce que c'est des micros, c'est des micros sachets. C'est des petits sachets. Pourquoi on parlerait pas en temps normal? On a eu un accident. Ah vas-y Gandalf, pourquoi on parlerait pas en temps normal toi? T'es bizarre toi. Oui bon allez, allez c'est bon. Moi tu me baisses pas dans mon cul. Je te suis, Gandalf, vas-y. Putain allez, on a qu'à 47. Ça va et toi du coup hein? Ça se passe? Non, tout s'est bien passé, ça va. Et c'est un 10-10 de la dame 54. Ah vas-y avance. T'as par contre faudrait que tu défendes Gandalf hein, parce que là c'est ridicule.